Hello, petite explication vite fait avant de passer au look. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 9 looks qui sont faits avec 5 articles éco-responsables de chez Naked. Donc ils sont soit en coton biologique pour la plupart, ou alors en viscose éco-véro qui est une viscose qui est beaucoup plus responsable que la viscose normale qui est juste cata pour la planète. Ce jean est en 99% coton bio et 1% élastane, il a été fait en Turquie. Par contre, je pensais qu'il allait être un petit peu plus long parce que sur les photos du site, la mannequin fait 1m73, il lui arrive aux chevilles et moi je fais 1m64, il m'arrive au même endroit. Ce jean est devenu mon jean préféré, je le porte tout le temps, la coupe est parfaite. Il existe en plein de couleurs en plus, le bleu foncé, le noir et le blanc me font vraiment de l'œil et il se porte absolument avec tout. Voilà que de Martin là, bon. Ce jean est en 99% coton bio et 1% élastane et on voit clairement que les photos sont ultra fidèles parce que la couleur c'est identique par rapport à ce que j'ai en réalité et ce que vous pouvez voir sur la vidéo. La coupe de ce jean est similaire à celle du bleu, la couleur c'est un mix entre le marron et quelques petites touches de bordeaux, j'aime beaucoup et je l'associe avec des couleurs qui sont plutôt neutres. Ce top est en 95% viscose éco-véro, donc c'est la viscose qui est plus responsable, plus respectueuse de l'environnement. Et le reste c'est 5% d'élastane et il a aussi été fabriqué en Turquie. Il a une coupe asymétrique, il est pas du tout transparent et je trouve que c'est un bon basique à avoir, surtout pour l'été et la mi-saison. Ce top est en 100% coton bio, par contre la fabrication est chine, donc c'est un peu moins bien. Je suis tellement fan de ce haut, la matière est très chaude et comme les manches sont longues, j'ai pas du tout froid même s'il est quand même plutôt court. Si à ce stade la vidéo te plaît, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime pour m'aider. Ce jean large est en 100% coton bio, cette fois-ci il est aussi fabriqué en Turquie et par contre les photos du site sont vraiment ultra fidèle parce que toutes les couleurs, la coupe, la taille, ça correspond à 100%. Le retour du jean large, j'aime beaucoup celui-ci car il ne me tasse pas, la taille est super haute. Par contre, il est plutôt long donc il traîne par terre si je ne mets pas de talons. Je le mets avec des pulls ou des tops qui sont courts ou bien je les rentre à l'intérieur pour pas que ça fasse vraiment trop large sur tout mon corps et que ça fasse bizarre. Et cette robe est en 100% coton biologique et elle est fabriquée en Turquie. Et le dernier article qui est encore une fois un bon basique à avoir dans sa garde-robe, c'est la robe t-shirt. Elle m'arrive un peu en dessous de mi-cuisse pour mon 1m64. Et comme tout vêtement en coton noir avec mes chats, c'est clairement fatal niveau poil, c'est une catastrophe. Et pour cette robe, je vous ai fait 3 tenues car c'est quelque chose qu'on peut vraiment mettre avec tout, comme un peu tous les articles que je vous ai présentés. Thank you.
and I said